Initiative symbolique à New York. Le conseil municipal de la métropole américaine, soutenu par les responsables des organisations juives et le consul d'Israël, Ido Aharoni, ont décrété ce jeudi 8 septembre, journée de Gilad Shalit. Noam, le père du soldat retenu en otage à Gaza, s'était pour sa part entretenu la veille avec plusieurs ambassadeurs à l'ONU au sujet de son fils. C'est dans ce contexte que des sources palestiniennes ont indiqué que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas auraient redémarré au Caire sous médiation égyptienne.